J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler aujourd'hui de mes produits coup de cœur du moment. Donc je fais très peu de vidéos sur ma chaîne de ce style là et je me suis dit que ce serait pas mal de vous en refaire un peu plus de temps en temps. Donc du coup, dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai pas mal de produits à vous présenter. Donc je vais tout de suite commencer par la catégorie alimentation, comme ça après je pourrais virer les emballages. Donc j'ai été à Auchan la semaine dernière et j'ai découvert des gâteaux en fait comme ceci. Donc c'est au rayon en fait style saveur d'Italie. Donc vous avez des petits gâteaux en fait comme ceci, c'est des sablés au chocolat et à l'intérieur vous avez de la noix de coco. Et franchement, c'est vraiment trop trop bon comme gâteau. Quand j'étais petite, je me souviens qu'ils en faisaient, je me rappelle plus quelle marque c'était. Il y avait à la noix de coco exactement comme ceci et ça fait quelques années en fait, et ben j'en retrouve plus. Ils font des sablés nature en fait avec du chocolat dedans, mais ceux-ci en fait ils en font plus. Donc j'étais un peu dégoûtée et quand j'étais à Auchan du coup la semaine dernière, j'étais trop contente de trouver ces gâteaux là et franchement ils sont vraiment trop trop bons. Je vais vous montrer comment on fait à l'intérieur. Je vais avoir trop trop faim après du coup. Et ça sent, quand vous ouvrez le paquet, ça sent vraiment trop trop bon, ça sent la noix de coco. Ils sont comme ceci à l'intérieur, du coup vous avez de la noix de coco. Et franchement, si vous adorez la noix de coco comme moi, franchement, foncez. Ils sont à 1 euro et quelques, je ne me rappelle plus du prix exact. Et du coup, j'en ai pris 2 paquets. Ensuite, au niveau des steaks végétaux, des nuggets, etc. Donc, comme vous savez, je vous en ai déjà parlé, je mange plus de viande. Du coup, j'ai trouvé ça la dernière fois, donc je vous ai gardé l'emballage car j'y ai mangé. Ce sont des escalopes de soja et blé. Du coup par deux, donc c'est la marque Herta qui fait ça et franchement c'est vraiment trop trop bon. Franchement on dirait de la vraie viande, ça a un goût, franchement c'est super bon. Ensuite de la marque Céréales, j'ai trouvé des steaks grill végétal, steaks de soja et blé pareil, et franchement mais ça a un goût, franchement c'est excellent. Donc ils disent riche en protéines et en fibres, sans colorants, sans conservateurs et moins de 77% de matière grasse saturée. Donc franchement vous en avez deux à l'intérieur. Au niveau du prix ça coûte dans les 3 euros, je sais plus trop. Bon c'est un peu élevé mais franchement de temps en temps, au moins une fois par mois, je m'achète de ces produits et franchement j'adore. Et pour terminer au niveau de l'alimentation, toujours de la même marque Céréales, j'ai des nuggets au soja et blé. Et celles-ci pareil, je les ai mangées à midi, elles sont trop trop bonnes. Voilà, donc je vais mettre tout ça derrière, comme ça je peux tout jeter. Ensuite, dans la catégorie, on va dire, décoration pour Halloween, j'ai été à la foire fouille du coup dimanche dernier et j'ai trouvé des petites choses, 3 petites choses. Donc vous allez peut-être rigoler, mais moi j'adore ça. Donc c'est une petite tête de mort pailletée violette. J'adore, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai craqué. Une citrouille pailletée dorée. Et une tête de mort noire pailletée. Et franchement, mais c'est magnifique, hein, moi je trouve, en décoration. Et la particularité, en fait, c'est que elle s'allume. En fait, on dirait qu'il y a une bougie à l'intérieur. Vous avez le petit bouton là. Et en fait, on dirait une bougie à l'intérieur. Donc franchement, quand j'ai vu ça, j'ai craqué.
J'ai vite pris un panier et j'y ai mis dedans. Et même mon copain qui s'en fout un peu de ça, il m'a dit que c'était super joli. Donc du coup, j'étais bien contente. Ça coûtait dans les 3 euros et quelques, je crois, l'unité. Et regardez la violette, elle est trop, trop belle. Franchement, c'est trop joli. Donc voilà, pour la catégorie décoration, c'est déjà terminé. Ensuite, côté douche. Alors, de la marque Lush, j'ai une gelée. En fait, la Snowman, donc elle est comme ceci, c'est un petit bonhomme de neige en fait. Je vais pas vous l'enlever parce que ça glisse et je vais pas arriver à la rattraper après. Mais franchement, ce que j'adore, c'est l'odeur. Franchement, mais l'odeur, toutes les années je la rachète, l'odeur elle est trop trop géniale. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? Si j'arrive à lire, vous avez de la bergamote, du citron, citron de Sicile. L'odeur, elle, ça sent trop trop bon. Et l'odeur, elle reste super longtemps sur la peau. Donc un vrai coup de cœur pour moi, ce produit, j'adore. En plus, c'est bientôt Noël, donc vous pouvez retrouver les produits sur le site. Donc voilà, ensuite... une crème corporelle que vous devez connaître, je vous en avais parlé dans mon dernier haul, c'est la crème de chez Rituals, Magic Touch, Cherry Blossom et Rice Milk. Donc je l'ai presque terminée et l'odeur c'est pareil, franchement je m'en lasse pas et c'est vraiment un vrai bonheur, franchement. Avec ça, franchement, je la mets tous les jours cette crème et je l'adore. Et pour aller avec, bien évidemment, j'ai la mousse de douche. Donc toujours pareil, Rice Milk et Cherry Blossom. Et franchement, c'est une vraie merveille aussi ce produit. Franchement, dès que j'ai terminé, j'en rachète direct parce que franchement, l'odeur, elle est vraiment divine. Voilà. Et ensuite la catégorie maquillage, donc je vais commencer par vous montrer deux palettes que j'utilise pratiquement à chaque fois que je me maquille. Donc c'est la palette de chez Too Faced, la Natural Eyes. Donc en ce moment je fais beaucoup de maquillage, on va dire naturel, un peu lumineux, dans les teintes marron, un peu nude. Donc j'utilise tout le temps pratiquement celle-ci. Les couleurs, franchement, elles sont trop trop belles. Franchement j'adore. Et ensuite cette petite palette de chez Max & More. Alors j'ai eu la chance de la gagner dans un concours. Franchement j'étais super contente parce que j'ai pas de magasin Action chez moi. Et j'avais tellement envie de tester cette marque. Franchement, j'étais trop contente quand j'ai gagné ce concours. Et les couleurs, elles sont vraiment magnifiques, super pigmentées. En plus, ma dernière vidéo, je vous avais réalisé un maquillage. Et franchement, les couleurs, elles sont vraiment canon, elles sont magnifiques. Donc voilà. Ensuite, un petit fard à paupières de la marque Colourpop. Alors, c'est celui-ci. C'est un violet pailleté. Et c'est la teinte Cricket. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Franchement, c'est super pigmenté. Je ne sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il fait super gris dehors. J'ai allumé la lumière. C'est violet avec plein de paillettes. Franchement, c'est magnifique. Et franchement, je suis fan. D'ailleurs, la marque Colourpop, j'ai passé une seule commande sur le site. Et franchement, j'ai hâte d'en repasser une. Car il y a plein d'autres produits, franchement, qui m'intéressent. Donc voilà. Ensuite, on va continuer sur les rouges à lèvres mat. Alors, toujours de la marque Colourpop. Donc vous en avez entendu pas mal parler sur ma chaîne. Donc, c'est celui-ci. C'est le capot. Donc, c'est un rouge à lèvres mat.
marron. Donc je vais vous refaire le swatch, hein, tant qu'à faire. Donc il est comme ceci, marron, et franchement il est magnifique, hein. En plus pour la saison là, l'automne, il est vraiment magnifique. Donc voilà. Ensuite, de la marque Anastasia Beverly Hills, donc c'est celui que je porte, c'est le catnip. Donc c'est un rose, un peu un bois de rose. Je vais vous faire le swatch. Donc voilà, il est là. Et pareil, franchement, magnifique. Un peu difficile à enlever, mais bon, comme je vous avais dit, avec de l'huile de coco, ça va, ça part bien. Et franchement, les teintes, elles sont vraiment trop, trop belles. J'adore. Et ensuite, je vais terminer par deux petits produits, en fait. Toujours un de chez Anastasia Beverly Hills. C'est le crayon à sourcils. Donc, le nom, c'est Brow Wiz. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et cette teinte-ci, c'est la Medium Brown. Donc, c'est un crayon. Vous avez le petit goupillon, en fait, pour brosser vos sourcils. Et vous avez l'embout, en fait, que vous tournez. Et vous pouvez faire vos sourcils avec. Et franchement, j'adore ce produit. Franchement, j'adore. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, j'ai voulu tester de la marque Too Faced le nouveau liner, en fait, noir. Enfin, le nouveau, je ne sais pas si c'est nouveau. Donc, c'est un liner pinceau, en fait. Je vais vous faire voir après. C'est un liner, en fait, du coup, moi j'ai pris la teinte noire, mais vous avez plusieurs couleurs. Il est comme ceci avec un petit cœur. Il est trop mignon. Et vous avez l'embout comme ça, feutre. Voilà, je cherchais le mot. Et franchement, il est trop trop bien. Donc vous pouvez tracer, là je vous montre, vous pouvez tracer des traits fins comme des traits plus épais. En fait, il est vraiment trop trop bien. Et franchement, il tient super bien sur la paupière. Il est super difficile à enlever. Je ne sais pas si c'est du waterproof. Apparemment, il ne marque pas. Mais franchement, ça tient vraiment super bien. Donc, j'adore. Parce que avec les liners, avec les, la pointe, comment dire... l'effet un peu pinceau, en fait, et bah du coup j'arrive pas trop à tracer mon trait de liner, et avec ça comme le feutre, en fait, et ben j'arrive super bien à faire mon trait de liner. Donc voilà, et ben écoutez, j'ai terminé de vous présenter mes produits favoris. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant qu'on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très très vite. Bisous à tous.